qu'on est tous réunis pour fêter les 50 ans de ce beau bateau, que vous avez tous vu peut-être au large, en tout cas au port tout à l'heure, et qui est, j'espère, toujours aussi beau que lorsqu'il a été mis à l'eau en juillet 1963 sur la plage de Bénodet. Vous avez sûrement vu les photos dans le bouquin, c'est assez émouvant de voir au même endroit, il y a exactement 50 ans, le bateau descendre le long de la plage de Bénodet et toucher l'eau pour la première fois. Il est toujours là, il est toujours aussi beau. C'est en effet grâce à beaucoup de gens, mais c'est surtout grâce à Jérôme, qui est là, qui se cache comme d'habitude. Mais comme il est là, j'en profite. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. Je voudrais lui dire merci, parce que Jérôme, c'est l'âme du bateau, c'est l'âme du Timia. Un bateau, c'est pas simplement un objet, c'est quelque chose de plus important que ça qui attire l'affection, mais qui a besoin de beaucoup d'attention, qui a besoin de beaucoup de soins et beaucoup d'amour. Et sans l'amour de Jérôme, je pense que ce bateau serait pas là où il est aujourd'hui. On serait pas tous là non plus. Et ce bateau continue à être très fort, très efficace. Quels que soient les gens qui sont dessus, lui, il va toujours très vite. Ah, vous êtes à fond, hein ? Formidable. Je voudrais aussi remercier Bertrand Debroc, Squall, Pascal Borel qui est quelque part, je ne sais pas où, Pifou, le grand équipage qu'on avait, et puis surtout mes neveux, Arthur, Rémi, mes fils, Victor, Paul, et tous ceux qui étaient à bord du bateau. Il y avait Adrien aussi, et Théophile hier, pardon, et Adrien demain, et Martin, et voilà. Non, ça ne va pas être trop long, mais je voulais juste rendre hommage à Jérôme et lui faire un grand barreau d'honneur. On peut l'applaudir très fort, et je suis sûr qu'il veut dire quelque chose. Ben, je crois que c'est rare qu'un bateau ait autant d'amis. Et si je peux parler en son nom, je dirais qu'il vous aime aussi. Merci, Jérôme. Mais pour Timia, je vais faire un effort. Voilà, donc bravo à Timia et à l'équipe, les amis de Timia, d'avoir organisé cette,
ce jubilé, cet anniversaire, parce que et de l'avoir fait au moment de la Belle Plaisance, parce que ça tombe pile poil dans le thème de la Belle Plaisance. Timia est un exemple qu'on voudrait voir se multiplier. Donc merci aux amis de Timia. C'est que 50 ans, ça ramène un certain nombre d'entre nous en arrière. 50 ans, c'est l'époque où le chantier Kraft et travaillait sur Bénodet. C'était une époque où les jeunes du coin qui aimaient le bateau allaient flairer les copeaux de chêne ou d'acajou, etc. Ça nous ramène 50 ans en arrière. Le Kraft, c'était quand même une personnalité. Et non seulement c'était un bon constructeur, mais il avait des formules dont je me souviens. Une d'entre elles, c'est quand on lui parlait de régate, il disait « Tu verras mon cul en pointillé à l'horizon dimanche. » Et voilà, donc, mais il y en a plein d'autres. Alors, au-delà des rappels, des souvenirs, je voudrais dire que c'était une... pour nous, Timia, c'est un exemple. Enfin, pour un certain nombre d'entre nous, Timia, c'est un exemple. C'est l'exemple de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire c'est maintenir la Belle Plaisance, c'est maintenir les bateaux. C'est donc un encouragement à tous ceux qui sont aujourd'hui présents et tous ceux qui ont envie de maintenir et de conserver les beaux bateaux. Voilà, donc merci à Timia et à ses amis. Bravo, bravo. Merci, merci beaucoup Yves. Et je vais passer la parole à Dominique Boyer, mon père, et le propriétaire de Timia, avec Jérôme. Nous sommes heureux que le port de Bénodet nous ait permis, la ville de Bénodet nous ait permis de faire cette petite réunion ici, parce que beaucoup de choses relient le bateau d'une part et notre famille d'autre part à Bénodet. Le bateau d'abord, puisqu'il a été construit par Kraft, nous lui devons le bateau et par conséquent nous avons une pensée pour lui aujourd'hui. Mais nous avons aussi une pensée pour Bernard Le Sieur et pour Christine, puisque c'est eux qui ont conçu et fait naître ce Fantasia. Bernard Le Sieur, qui est là, je crois qu'il a eu 26 bateaux après. 24, il dit. Oui. Les deux autres, c'est pour l'année prochaine. Ça a été absolument extraordinaire. Et puis, un des bons souvenirs aussi, c'est la mise à l'eau qui était particulièrement acrobatique sur la plage de Bénodet. Le chariot a été abîmé, ils ont été obligés de faire une soudure en se branchant directement sur la ligne à haute tension qui passait à l'époque sur la plage. Voilà, c'est tout pour nous. C'est très beau, 50 années, mais il faut s'adapter progressivement et réparer les irréparables outrages du temps. Alors, le Timia est derrière vous, avec le grand pavois. Et il vient simplement de faire la régate de la Belle Plaisance. Je crois qu'il est fait pour ce genre de choses, ce genre d'exploit. Il marche bien. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je suis content de rassembler à Bénodet des quantités d'amis qui, dans des années variées, ont participé à la vie du bateau et sont restés, dans une certaine mesure, marqués par l'expérience qu'ils ont eue du bateau. Alors, ils sont tous là, je ne les cite pas, mais que chacun sache que nous avons beaucoup de... Nous leur devons beaucoup. Enfin, dernière chose, parce que c'est tout de même très important, si Hélène, ma femme, et moi, nous n'avions pas eu... Que voilà, d'ailleurs. Nous n'avions pas eu une aussi nombreuse famille... D'une part, nous n'aurions pas eu de bateau, nous n'aurions pas su les entretenir, ni les mettre en valeur, et d'autre part, nous n'aurions pas la fête d'aujourd'hui, parce que c'est eux qui l'ont organisé, et je ne dirais pas contre nous, mais indépendamment de nous. Alors c'est eux à qui il faut rendre grâce si vous avez été heureux aujourd'hui, ce soir, ici. Et en dernière chose, finalement, entre eux, famille et amis, on constitue ce qu'on appelle aujourd'hui un réseau social. Et je trouve que ce réseau social paraît très vivant ce soir. Et je m'en félicite. Et je vous en remercie tous. Voilà.
Alors attends, non, avant de te rendre le micro, juste parce que merci en effet à Louise, Margot, Gaëlle, Lorraine, Pauline, Rémi, tous ceux qui sont là-bas, j'en oublie, excusez-moi, ils ont fait un boulot génial pour organiser la boutique et tout ça, si ça vous plaît, c'est quand même Arthur, le grand organisateur de tout ça, qui se cache aussi. Viens Arthur, il a fait tout ce qu'il fallait pour que vous soyez tous là aujourd'hui, sinon on n'aurait pas réussi à faire tout ça dans un temps record. Et alors, attirer votre attention sur le très joli bateau, également en bois vernis, qui est derrière vous, qui s'appelle le Plongeon, et qui nous a été très aimablement déposé comme une fleur sur la pelouse par l'association Sequana, qui restaure des bateaux historiques. Le Plongeon, qui est derrière vous, a été conçu et construit dans sa chambre à coucher par Philippe Daucher quand il avait 20 ans. Il a été restauré magnifiquement par l'association Sequana, qui l'a amené ici. Et c'est un grand... Nous sommes très reconnaissants à tous les acteurs de ce sauvetage de nous l'avoir prêté pour votre plaisir. Je crois que c'est rare qu'un bateau ait autant d'amis. Et si je peux parler en son nom, je dirais qu'il vous aime aussi. Merci, Jérôme.